Musée d'art Roger Quillot, on va parler d'amour avec un artiste qui joue avec les textiles et les miroirs. Joël Andrea Nomea-Rissoa présente une exposition monographique aux marques. Dans We Were So Very Much In Love, l'artiste parle de l'amour et de tout ce qui tourne autour dans différentes matières. Venez voir ça. Joël Andrea Nomea-Rissoa a pris possession de tous les étages du musée d'art Roger Quillot. Avec des mots, des néons, des tissus, il évoque les différents temps de l'amour. L'artiste a voulu mettre en valeur l'architecture et l'histoire du musée. Dans la cour des Ursulines, des miroirs reflètent le visiteur et le décor. Mais je pense que dans cet élément, on va dire, de miroir et de larmes qui coulent sur ce mur, nous sommes à la fois sur des tableaux, mais nous sommes aussi sur un rapport finalement à l'architecture, par rapport à l'espace du musée d'art Roger Quillot. Donc pour moi, c'était important de rallier aussi les deux, de fabriquer une autre construction, un autre rapport à l'espace. Le textile est la matière favorite de Joël Andrea Nomea-Rissoa. Le tissu nous enveloppe toute notre vie. Et l'artiste le travaille en noir, car il raconte une histoire sombre. Sans contact, que devient l'amour? Mais cet amour est réellement mis à mal. Est-ce que nous pouvons encore nous embrasser? Est-ce que nous pouvons encore nous toucher? En sachant que, mis à part les sentiments, le rapport à l'amour est d'abord le regard, le toucher. On va dire ce sont les sens. Aujourd'hui, nous ne travaillons qu'avec les yeux qui regardent les yeux, mais finalement, la bouche reste nue aujourd'hui. On va dire on ne comprend même pas nos paroles, parfois, quand on est derrière ce masque. Mais We Were So Very Much In Love a des lueurs d'espoir. À côté du noir, il y a toujours la lumière, de l'humain et de l'humour. Quand l'invitation « Voulez-vous coucher avec moi ?» devient « Voulez-vous mourir avec moi ?»